bienvenue dans votre émission Passe à mon avocat. L'émission où on évoque bien entendu des problèmes, car des problématiques juridiques, il y en a partout, mais surtout des solutions. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet, à mon avis, qui ne peut que vous intéresser, l'indivision. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Jean-Pierre Léon Sédis, et je vais le laisser se présenter. Bien, mais merci déjà d'être invité à cette émission. Hein. Jean-Pierre Léon Sédis, donc dans la profession depuis une quarantaine d'années maintenant, je suis agent immobilier, également expert immobilier près de la Cour d'appel de Basse-Terre. Et vous êtes aussi, je crois, le premier président de l'AFNAIM région Antiguyane. En effet, j'ai toujours aimé l'action syndicale et ça touche à la profession. Et effectivement, j'ai été le premier président de la région Antiguyane qui a été créé en 2005. Pendant 5 ans, donc j'ai présidé à cette honorable organisation. C'est l'homme de la situation. Alors, dans cette émission, on va vous exposer le fait tout simplement qu'en Guadeloupe notamment, il y a des indivisions partout. C'est vrai que bien souvent, on voit un bien, eh bien on se rend compte que ce n'est pas une personne qui est propriétaire, mais une famille ou un ensemble de personnes. Et ça pose bien souvent des problèmes. Et nous, nous sommes ici pour envisager des solutions. Alors, d'une part, pour vous exposer quelles sont les solutions pour sortir d'indivision ? Car il faut savoir qu'en droit, on peut toujours sortir d'indivision, qu'on peut envisager une expertise amiable ou judiciaire avec un résultat, qu'on peut aussi nommer un mandataire successoral et puis aussi un mandataire ad hoc. Alors avant d'exposer tout cela avec mon invité, je vous propose un petit reportage. Notre département, la Guadeloupe, est l'un des départements nationaux où l'indivision est un problème majeur. Il existe plusieurs cas où le partage des biens, alors indivis, entraîne de véritables ruptures au sein des familles. L'indivision est une situation juridique où plusieurs personnes exercent des droits de même nature sur un même bien ou sur une même masse de biens. L'indivision peut être d'origine légale, comme par exemple dans le cas successoral suite à un décès. Il peut s'agir aussi d'une indivision des acquêts suite à la rupture d'un pax, et enfin, elle peut être conséquente à la dissolution d'un régime matrimonial communautaire. Mais l'indivision peut être aussi d'origine conventionnelle. Dans ce cas, elle concerne des personnes non mariées ou mariées sous le régime de la séparation de biens, ou enfin celles qui souhaitent une participation aux acquêts pour l'acquisition d'un bien. En sillonnant la Guadeloupe, très souvent on se retrouve devant des logements abandonnés ou inachevés. Que ce soit en agglomération comme ici à Pointe-à-Pitre, où de nombreuses maisons sont laissées à l'abandon, ou dans les communes où des terrains restent inexploités. Parfois, ce sont des centaines d'hectares qui restent ainsi en friche, sans que personne ait la possibilité d'utiliser, dans ce cas, des terrains, sans l'accord préalable de tous les indivisaires. En cas d'indivision, les propriétaires bénéficient d'un droit sur les biens exploités proportionnel à leur droit dans l'indivision. Parallèlement, chaque propriétaire reste responsable des dettes sur ses biens, toujours proportionnelles à leurs droits dans cette indivision. Ceci étant, chaque indivisaire a le droit de céder tout ou partie de ses droits indivis à un autre indivisaire ou à un tiers. Dans ce cas de la vente à un étranger, les autres indivisaires doivent être mis au courant du montant de la revente et faire jouer leurs droits de préemption dans un délai d'un mois, si nécessaire. La gestion d'un bien ou d'une masse de biens indivis peut être confiée soit à un indivisaire dans certains cas, ou à la majorité aux deux tiers pour d'autres cas, soit à l'unanimité pour des actes pour quelques cas particuliers, comme le renouvellement des baux pour des immeubles commerciaux, industriels ou agricoles. Il existe aujourd'hui des solutions pour venir à bout de ces situations d'indivision, que ce soit au niveau du partage ou de la gestion des biens indivis. L'indivision, donc c'est un vaste sujet. Vous avez, je pense, vous, dans votre carrière, de nombreuses missions en tant qu'expert judiciaire. C'est vrai que habituellement j'ai des missions qui relèvent de problèmes d'indivision, parce que la Guadeloupe, mais pas plus la Guadeloupe qu'ailleurs. Mais chez nous, c'est vrai qu'on a de gros soucis d'indivision parce que, bon, les parents, bien souvent, n'ont pas voulu régler en faisant un partage avant leur décès. C'est un sujet un peu tabou. Mais ce qui serait bien, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est vrai qu'il serait bien, car aujourd'hui, on parle d'indivision, mais comment peut-on éviter l'indivision ? Effectivement, en prévoyant de son vivant un partage, entre guillemets, c'est tout à fait possible. Tout à fait. Et cela, il faut aller voir un notaire, d'ailleurs, et c'est quelque chose, en tout cas, qu'on peut recommander. Alors, vous intervenez en tant qu'expert judiciaire, n'est-ce pas ? Mais également aussi dans un cadre amiable.
Pouvez-vous expliquer un petit peu ces deux options, entre guillemets? Ben, disons que la deuxième option est la première à envisager, l'amiable, d'accord. Parce que l'amiable, ça veut dire qu'on évite tous les frais de procédure, frais d'avocat, frais d'huissier, etc., etc. Puisque c'est un coût. Et avant d'arriver à la partie judiciaire, autant que faire se peut, il est souhaitable que les indivisaires se mettent d'accord, qu'ils discutent entre eux. Alors comment on fait? Donc alors on ne s'entend pas, on est une famille, on se dit on n'arrive pas à s'entendre sur l'indivision, on vient vous voir. Alors ils peuvent prendre conseil aussi auprès d'un avocat, puisque l'avocat ce n'est pas que faire de la procédure, l'avocat a un rôle de conseil. Ils peuvent voir leur notaire et effectivement venir voir l'expert qui lui pourra leur dire tentez de vous mettre d'accord, signez une convention pour vous mettre d'accord sur le choix d'expert et pour réaliser cette mission d'évaluation. Comment ça se passe? Donc c'est une mission d'évaluation des biens dans un premier temps, c'est cela? Ben, dans une indivision, on doit identifier les biens qui appartiennent aux indivisaires, d'abord, premièrement. Ensuite, faire l'évaluation, donc une évaluation au prix du marché, puisqu'en fait, les indivisaires souhaitent, en général, soit vendre ou soit garder, tout dépend, mais pour arriver au partage, parce que c'est le moyen de sortir de l'indivision. Les intérêts ne sont pas les mêmes, notamment dans les familles en Guadeloupe. Vous avez des enfants qui sont partis en métropole pour la plupart du temps, mais il y en a qui sont partis à l'étranger. Et il y en a d'autres qui sont restés. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, ils restent sur le bien indivis. Ils construisent. Et puis un beau jour, ben, ils s'installent. Et c'est là où le problème se pose, parce qu'il y a des ressentis. Et ce n'est pas la partie technique qui est importante. C'est l'humain. Et c'est de faire ressortir et essayer de tenter de dire bon, vous êtes dans l'indivision, ça n'est pas souhaitable d'y rester, il faut que tout le monde en sorte et dans les meilleures conditions possibles. Et l'expert, lui, une fois qu'il a réalisé son rapport, sa mission, évalué les biens, et que tout le monde est d'accord sur l'évaluation, notamment en amiable, mais c'est également la même chose au niveau judiciaire, bien on va vers un partage. D'accord, mais alors on va vers un partage, très bien, mais là où ça pose le plus de difficultés, oui. Est-ce que c'est sur l'évaluation des biens où tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur le montant, tout simplement à partager, ou bien sur le partage lui-même? Les deux, parce qu'en fait, oui, l'évaluation, ben, c'est l'expert, il va prendre ses références, il a ses techniques, c'est son métier, il a sa connaissance. Donc, un indivisaire va dire, c'est pas assez, l'autre va dire, mais non, c'est assez. Donc, il va falloir trancher, mais éprouver le prix, la valeur réelle. Ça, c'est un vrai souci. Et sur le partage, maintenant, quand vous avez plusieurs biens avec autant d'indivisaires, je dirais, le projet, le partage est relativement simple. Mais si vous avez 10 indivisaires, il n'y a que 2 biens à partager, ça devient compliqué. Et ça arrive souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, soit les 8 indivisaires vont dire, bon, écoutez, on vous recède nos parts. Donc ça, c'est le cadre idéal, je dirais, pour sortir l'indivision. Une solution. D'accord. Encore faut-il que tout le monde soit d'accord. C'est toujours la même problématique. Mais quand on arrive au judiciaire et... parce qu'on est allé à l'ultime. Oui. Donc, alors, on est en partage amiable, ou du moins on essaye de trouver une solution, vous êtes intervenu, mais donc si on ne trouve pas d'accord, là on fait appel à un expert judiciaire. Voilà. On demande à un avocat donc, de faire nommer un expert judiciaire, donc vous êtes expert judiciaire près de la cour d'appel de Basse-Terre, et les choses se passent autrement. Comment se passe-t-il? Là, on est dans un cadre de procédure. D'accord. Donc, il y a des règles à respecter, le respect du contradictoire. Il faut convoquer les parties, il faut informer les avocats. Donc, c'est compliqué. C'est beaucoup plus lourd, plus coûteux. D'accord. Pour les parties. Donc, les parties ont intérêt à trouver des solutions amiables. Évidemment, moi, je suis nommé, je fais ma mission telle que me la dicte le magistrat. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on intervient au niveau judiciaire, on n'intervient pas pour les indivisaires. On intervient dans le cadre de la mission qui a été fixée par le juge, et uniquement celle-là. C'est-à-dire qu'on répond point par point à la mission. D'accord, qui est souvent d'évaluer les biens. Et alors, évaluer les biens, proposer un partage. Bon, généralement, le partage, c'est le notaire qui le fait, c'est pas l'expert. Mais d'accord. Il peut... Donner un avis, donner des pistes, dire voilà ce qui est possible, pourquoi? Parce que l'expert, il va sur le terrain. Le notaire va rarement, pour ainsi dire, jamais sur le terrain. Donc c'est l'expert. Non, mais parce que c'est pas son rôle. Et il peut le faire, rien n'empêche, mais en règle générale, il n'y va pas. Ça prend combien de temps? Aujourd'hui, une expertise judiciaire, ça prend du temps combien? Écoutez, il y a des dossiers qui sont, entre guillemets, très simples. Alors, le temps varie. Déjà, l'expert, on lui fixe un délai.
Si le délai est dépassé, il demande au magistrat un délai supplémentaire. Mais l'expert n'est pas seul. L'expert, il intervient à la demande du juge. Mais en face, il y a des parties, mais il y a surtout les avocats. Et les avocats, ils vont forcément, défendre leur client. Ils vont défendre leur client parce que l'expertise n'est qu'un moyen dans la procédure. On doit régler effectivement l'indivision, mais il y a parfois d'autres points qu'il faut régler. Donc, il faut que les avocats répondent aux premières constatations, aux premières conclusions, notamment dans le pré-rapport. Il va faire ses observations. Il va dire, monsieur l'expert, je ne suis pas d'accord. Il y a toute une procédure juridique. Il y a toute une procédure qui lourde. Alors, maintenant, on arrive à votre rapport. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport, exactement? Le rapport, suivant la mission, si on nous demande de décrire les biens dépendants de l'indivision, on va décrire les biens, on va les évaluer. D'accord. Et parfois, dans la mission, j'insiste, parce que la mission, c'est vraiment... On doit répondre, point par point, uniquement à la mission. Et qu'à la mission. Donc, on a un rapport d'expertise, on en fait quoi? Qui décrit donc l'heure des biens, éventuellement un avis sur le partage. On fait quoi avec ça? Un avis sur le partage, la valeur des biens, d'accord? Une fois que cette mission, on a répondu point par point, on dépose notre rapport. Mais là, une fois que le rapport est déposé, le rapport définitif, l'expert est dessaisi. D'accord, donc mais l'affaire continue. C'est la cause, c'est encore l'engagement des parties de trouver une solution grâce à ce rapport d'expertise. Ou bien, si fort de ce rapport d'expertise, ils ne sont toujours pas d'accord pour trouver une solution. Parce que finalement, ce qui est intéressant avec un rapport d'expertise judiciaire, c'est quand même les parties en ont débattu. Et l'avis donné par l'expert, c'est un avis au contradictoire, c'est-à-dire qui a été envisagé après que toutes les parties aient entendu et ont pu faire valoir leurs éléments. Souvent, si on ne trouve pas d'accord, et c'est souvent le cas malgré tout, parce que lorsqu'on a vos judiciaires, c'est qu'il y a souvent une ou deux parties qui ne sont pas d'accord, et ça suffit. Eh bien, on doit saisir le juge, et là, les choses, c'est une procédure de plus, et un peu plus compliquée, avec, bien entendu, toute l'ambivalence, entre guillemets, de pouvoir trouver une solution dans un cadre judiciaire qui satisfasse tout le monde. Et c'est le but normalement, en indivision, lorsqu'on en sortirait, on devrait être à peu près assez content de ce qui se passe. En règle générale, si le rapport de l'expert a été homologué, parce qu'il faut qu'il soit homologué, le juge va rendre sa décision. Parce que c'est le juge, en dernier ressort, qui rend sa décision pour permettre de sortir une question importante, mais est-ce qu'il vous suit? C'est-à-dire que vous donnez une valeur sur des biens qui est une valeur à dire d'expert. Est-ce que, bien souvent, le magistrat vous suit? Écoutez, en règle générale, parce que nous sommes les yeux du juge, nous sommes le technicien dans cette mission précise qui est l'évaluation. Donc, si le rapport est correctement fait, il est cohérent, il a suivi une méthode... Il n'y a pas de raison, puisqu'il va s'en tenir au rapport. Mais il faut savoir qu'il n'est pas obligé de suivre le rapport de l'expert. D'accord. Donc, en règle générale, s'il a demandé, il a accepté l'expertise, c'est pour l'éclairer dans sa décision. Donc, en fait, c'est une sorte de document de travail. C'est un document de travail et qui doit être fait consciencieusement, en toute... On fait confiance pour ça. Oui, merci. On a prêté serment, donc il faut respecter quand même ce serment qu'on a prêté près de la cour d'appel quand on a été accepté en tant qu'expert. Donc, il faut faire les choses correctement. D'accord. Si le rapport est contestable, effectivement, ça peut arriver. L'expert peut s'être trompé pour X raisons, parce qu'il n'a pas eu suffisamment d'éléments. C'est justement, quand vous me parliez de délai, tout ça fait que... Le marché évolue. Voilà, le marché évolue. Il y a de multiples cas qui font que le rapport n'est... Peut-être que les conclusions du rapport ne sont pas suffisantes. Il peut toujours y avoir une demande de contre-expertise, mais c'est un cas extrême. Ça arrive rarement, de toute façon, parce qu'on sait très bien, nous, en tant qu'avocats, qu'une contre-expertise, c'est encore des complications. Oui. Mais si vraiment c'est nécessaire, effectivement, on peut demander une contre-expertise et le juge peut l'envisager et, dans ces cas-là, avoir un autre avis ou du moins un complément d'expertise pour avoir une analyse plus fine ou différente. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui existent dans le mode de l'indivision qui sont très peu connues. Oui. C'est notamment la nomination d'un mandataire successoral. De quoi s'agit-il? Mandataire successoral, je ne sais pas si le public connaît ce terme. C'est vrai que c'est. J'en discute parfois avec certaines personnes et qui me disent qu'ils ne connaissent pas. C'est très peu connu. Voilà, c'est très peu connu. Alors, le mandataire successoral, il y a une indivision, mais jusqu'à présent, l'un des indivisaires gérait, en bon père de famille, les biens. Ou pas. Voilà, ou pas, effectivement. Ou pas. Mais ça arrive que c'est géré. Et puis, un désaccord, parce qu'il n'y a pas assez de transparence, etc. Donc, que fait l'indivisaire qui n'est pas content? Il va prendre son avocat, il va faire une requête et il va faire désigner un mandataire successoral. Donc, ça peut être un expert, ça peut être un professionnel dans une matière bien déterminée. D'accord? Tout dépend s'il y a des sociétés, s'il y a deux. Voilà, ça dépend du cas. Voir les deux.
Dans, comme s'il s'agit d'immobilier, de biens immeubles, c'est vrai qu'on va choisir un expert immobilier. Bon, moi, j'ai effectivement, pas beaucoup, mais j'ai quelques missions qui m'ont été confiées, qui permettent, bon, déjà de calmer le jeu, parce que souvent, quand on en arrive là, c'est que les rapports ne sont pas très, bon. Très bons. vous le savez, parce que vous voyez beaucoup de clients maître. Donc, le mandataire successoral est un tiers. Donc, il va déjà apaiser les choses, prendre le dossier et répondre encore une fois à la mission. Alors, en général, mandataire successoral. C'est pas du tout la même mission. C'est pas du tout la même mission, mais. C'est gérer, ça dépend, gérer la succession. C'est au cas par cas. Okay. J'ai eu une mission, par exemple, qui était de gérer l'actif, évaluer l'actif, proposer des biens c'était très complet. Aux héritiers qui étaient éventuellement intéressés par un immeuble dépendant de l'indivision, mais en priorité. D'accord. Et s'ils n'étaient pas intéressés, aucun des héritiers n'était intéressé par les immeubles, procéder à la vente des immeubles. D'accord. De manière donc, à récupérer… – Une mission très complète. Ouais, – une mission très complète. – D'accord, voilà. Mais souvent, comment ça se passe? C'est qu'il y a une personne qui gère les biens dans la famille, les autres ne sont pas d'accord parce qu'il n'y a pas de transparence. Donc ils se disent, comment on fait? Il n'y a pas encore donc, de liquidation des biens en question. Comment on fait? Il y a des loyers, il y a des rentrées d'argent. Qu'est-ce qu'on en fait? Qui va les dépenser? Et là, c'est très embêtant parce que ça peut être une personne, mais tout le monde ne peut pas être d'accord avec sa façon de fonctionner. Et c'est là où on demande justement, par assignation à la forme des référés, c'est barbare, mais ça parlera peut-être à certains des téléspectateurs, pour désigner ce mandataire successoral. Alors, le mandataire successoral, ce n'est pas la seule chose qui n'est pas très connue. Il y a aussi le mandataire ad hoc. Oui, il y a aussi le mandataire ad hoc. Alors là aussi… C'est barbare, tout ça. Quelques missions, pas beaucoup, mais quelques missions qui m'ont été confiées. Je prends un exemple très simple. Les indivisions, c'est entre guillemets à double tranchant. Quand les choses se sont bien passées du temps des parents, des propriétaires, ils ont bien géré leurs affaires, il n'y a pas eu de dette, enfin tout a été fait dans les règles, etc. Bon, mandataire ad hoc, un cas concret, puisque en fait, il faut toujours partir du concret. Un copropriétaire décède. D'accord ? Il a des enfants ou il n'en a pas ? Les charges ne sont pas payées ? Les charges ne sont pas payées. Le syndic fait son appel de charges. Il a une obligation de moyens vis-à-vis du syndicat. Et personne en face. Et il n'a personne en face qui représente ce défunt, puisque qui a peut-être des enfants ou qui n'en a peut-être pas. Okay. Que fait-il ? Toujours pareil. Il va demander à son avocat, par le biais d'une requête, de faire nommer un mandataire ad hoc, de manière à ce que le syndicat ait en face de lui un représentant de ce copropriétaire qui est décédé. Voilà. D'accord, donc très utile. Et très utile parce que ça permet d'avoir un interlocuteur. Il ne s'agit pas pour le mandataire ad hoc de payer les charges. Ah bon? Si, payer avec les fonds du copropriétaire. Voilà, mais c'est, ça sert à ça. Mais là aussi, c'est souvent les gens ne le savent pas. C'est pas très connu. Parce que c'est pas très connu, c'est pas très développé. Donc, bon, voilà. Ce sont des outils, mais toujours dans le but. Il y a de l'avenir. Oui, mais on verra. C'est vrai que ça permet aussi, parce que l'indivision, chez nous en particulier, où nous sommes des insulaires, pose de gros problèmes. C'est vrai. De gros problèmes. Et pour ceux qui veulent en sortir, ils savent qu'ils ont droit à une petite parcelle de terrain, ils ont une famille avec des enfants, ils voudraient construire. Mais après, ça a des conséquences, parce qu'ils ne pourront pas avoir un prêt à la banque. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'ils ne sont pas propriétaires, alors qu'ils ont même des droits sur ce terrain. Ils ont des droits indivis. Donc, mais c'est ils pourront important pas. De sortir voilà, l'indivision. Il faut c'est sortir l'indivision. Et autant que possible, faire appel à un professionnel qui pourra les aider. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, dans la chaîne de professionnels, il y a les experts, il y a les avocats, il y a les notaires. C'est vrai, quand on pense à avocat, on voit tout de suite procès. Mais c'est pas ça. Vrai. Alors, il y a des échanges à avoir et une complémentarité de manière à sortir l'indivision et de l'information. D'où l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Alors, une petite synthèse un petit peu sur ce sujet, l'indivision. D'abord, le principe de base, nul n'est censé rester dans l'indivision. Toute personne qui veut sortir l'indivision peut le faire. Déjà, première chose. Ensuite, on a bien compris que souvent, la difficulté, c'est d'évaluer le bien. On n'est pas tous d'accord sur l'évaluation. On peut tenter, en tout cas, de nommer un expert amiablement. On se concerte et on va voir, donc, par exemple, M. Jean-Pierre Léon Sélis. Ou bien, on n'est pas d'accord, on va voir un avocat. On fait nommer, donc, un expert judiciaire, encore M. Léon Sélis. C'est le magistrat qui décide. C'est le magistrat qui décide. Et puis, donc, on envisage cette expertise judiciaire avec une solution, finalement, qui sera bien souvent reprise par le magistrat. On peut nommer aussi, lorsqu'il y a des difficultés dans le cadre de cette indivision,
Eh bien, tout simplement pour son fonctionnement, le mandataire successoral, et pour des cas bien spécifiques, le mandataire ad hoc. Voilà, donc moi je vous remercie, monsieur l'expert judiciaire. C'est moi qui vous remercie. C'est une de vos casquettes. Oui, alors on est expert judiciaire quand on est nommé. Hein, d'accord, voilà, très bien. On devient vous êtes judiciaire. Deux casquettes. Alors, okay. Non, c'est-à-dire que. On est expert, enfin moi je suis expert près de la cour d'appel de Basse-Terre, mais quand on a effectivement une mission, on devient expert de justice. Ah oui, dans la mission. Je voulais vous dire que si vous êtes expert AMIA dans un dossier, vous ne serez pas nommé dans le même dossier expert judiciaire. Non, parce qu'en fait, il peut y avoir conflit d'intérêts et le magistrat va éviter de nommer le même expert. Bon, encore, voilà, merci beaucoup pour votre intervention fort utile. Moi qui vous remercie pour ces compléments d'information, parce que c'est très important dans notre société en Guadeloupe d'avoir ça. Alors, il y a toujours des difficultés juridiques et surtout des solutions. Et je vous dis à bientôt pour le prochain numéro.